Smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you, Georgia. Incroyable mais vrai, en Australie, il y a des Australiens nés en Australie qui exhibent fièrement leur amour du style à la française. Et c'est ainsi qu'est né le Citroën Car Club, une surprenante oasis de nostalgie où se retrouvent tous les âges et toutes les catégories sociales. Bonjour, je m'appelle Craig Keller. Je suis le président du club Citroën dans l'état du New South Wales. Ça fait à peu près 10 ans que je conduis des Citroën et que je fais partie du club. Vers l'âge de 8 ans, je me suis enfermé par accident dans le coffre d'une DS et à partir de ce jour-là, j'en ai voulu une. Je les aime toutes, je les ai toutes conduites, à commencer par la 5 chevaux sur une courte distance. J'ai conduit la traction avant, la DS bien sûr, la GS aussi, et je dois avouer que chacune a quelque chose de différent et d'intéressant. Conduire une DS en France est relativement original. Le faire sur les 4 voies du New South Wales, bondées de japonaises, est une revendication presque violente de sa propre différence, une mode excessivement pointue. Les gens vous regardent différemment et l'expérience de conduite est tout simplement différente de tout ce qu'on peut vivre au volant d'une autre voiture. J'ai même rencontré certains de mes amis à cause de mes Citroën. Le Citroën Car Club est plus qu'un club. C'est une famille dont tous les membres ont adopté les mêmes enfants. De la traction avant à la 2 chevaux, l'amour des Citroën va de pair avec l'attirance pour un style de vie qui nous semble, à nous, proche de la France des années 60. Nous ne sommes pas loin des clichés camembert et vin rouge, mais après tout, n'est-ce pas là la meilleure image que nous rendons ? Nous organisons régulièrement des événements, comme la réunion d'aujourd'hui, qui est censée avoir un caractère technique, mais en fait, c'est juste une excuse pour sortir les voitures. Nous avons aussi des rencontres pratiques au cours desquelles nous nous aidons mutuellement à réparer nos voitures. Et puis, nous avons un rassemblement annuel de tous les clubs australiens aux environs de Pâques. Cette année, c'est nous qui recevons et nous espérons plus de 150 voitures de tout le pays. Mais quel parcours peut donc bien emprunter une vieille Citroën pour atterrir de l'autre côté de la planète ? Je m'appelle Bill Schenck. Je possède une traction Big 6. On en trouve plus que vous ne le croyez, ici notamment à Melbourne. Dans le sud, on en voit beaucoup. Pour ma part, ma motivation vient du fait que ma voiture a été celle de mon père. Lorsqu'il a arrêté de la conduire, il l'a abandonnée au fond d'une cour, prête à être mangée par la poussière et la rouille. Et un jour, en me réveillant, je me suis dit, ok, c'est l'heure de m'en occuper de cette voiture, car j'ai compris que j'étais très attaché du fait de ce qu'elle avait vécu avec mon père. On l'appelle Big 6 ici. Je crois que ça correspond à l'appellation française 15 chevaux, qui est en fait un 6 cylindres traction avant. Pour sa toute première utilisation en Australie, elle a été la voiture officielle de l'ambassadeur de France. Mon père travaillait à l'époque pour la branche d'une grosse société dont le PDG avait racheté la traction à l'ambassade. Lorsque ce dernier a appris qu'il était condamné par la maladie, il a décidé de vendre la voiture à celui qui l'appréciait le plus. Et c'est aini que mon père l'a rachetée pour $150 en 1977.
Je me souviens avoir fait le trajet avec mon père pour aller récupérer la voiture. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je me revois encore dans le garage de la maison. Ça fait 31 ans que je ne conduis que des Citroën. J'ai eu des DS, des GS. Ça m'a pris en 1975 pour l'achat de ma première DS. C'est arrivé par hasard en fait. J'étais très attiré par la traction avant d'un ami. Et il se trouve qu'en plus, les DS effectuaient des prouesses dans les championnats du monde de rallye. Et tout ça avec des modèles standards. Alors je suis allé voir de plus près au cours d'un salon automobile et j'en ai vu une ou deux rouler dans la rue. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la bagnole. Le genre de réaction des gens, c'est « Waouh, c'est quoi ça ?» Surtout quand je suis au volant de la SM. Moi, ce que j'aime surtout, c'est quand on se promène, et notamment quand on traverse des petites villes de province, on tombe parfois sur des adolescents qui nous regardent avec des yeux ronds. Alors, avec ma femme, on se dit « Mais pourquoi ils... » Ah oui, mais bien sûr, c'est la DS. C'est pour ça qu'ils sont fascinés. » Notre première séparation est déjà un crève-cœur. Nous comprenons que la vie du club Citroën est aussi une façon de rapprocher des gens dans un vaste pays.